USA. Ah, USA. Ah, union des salopes. En armes, poubelle de l'humanité, dans laquelle pullulent les rats de la finance internationale. C'est pourtant dans ce marécage de mensonges, de vomi et de putrescence que le génie humain apparaît le plus fréquemment. C'est comme si le trou du cul d'une hyène vérolée parvenait parfois à chier des diamants. Michael Jackson fut l'un d'entre eux, le plus brillant d'ailleurs. Son destin tragique rejoint les légendes mystérieuses de ce pays. Marilyn Monroe, JFK, le 11 septembre, que s'est-il passé? Quenel ou pas Quenel? On ne sait pas. Au pays des mille et une arnaques, le business de la mort est roi. La tournée du King, de Michael Jackson, aurait rapporté gros, c'est vrai. Mais Michael Jackson mort va mettre l'heureux producteur du moment à l'abri du besoin pour plusieurs générations, il faut le savoir. Mais pensez donc, comme le hasard est bien fait, Jackson va mourir au lendemain de l'enregistrement en haute définition. Des répétitions générales du spectacle d'adieu qu'il devait donner à Londres. Oh, l'aubaine, la sortie de ce DVD, parce qu'il va sortir ce DVD, hein, quelques semaines après les obsèques de l'icône, évidemment, hein, le protocole, les usages obligent, un temps de deuil, bien sûr, des affaires, non, mais là, en l'occurrence, hein, c'est mieux ainsi. Cette sortie du DVD devrait représenter, selon l'avis des plus informés, la plus grosse vente de tous les temps. Le pactole, le Grisby, le miracle, la multiplication des pains, la séparation des eaux. J'arrête là. Cela représente-t-il, me direz-vous, un mobile suffisant pour envisager l'hypothèse d'un assassinat? Le mot est lâché. Assassinat. Dans un pays où l'on tue par distraction, cela peut paraître cohérent. N'en hein, déplaise à certains. Alors oui, j'entends d'ores et déjà la voix de mes détracteurs. Dieudo, facho, parano, antisémite, la théorie du complot, le révisionniste. Oui, certains iront jusque-là, mes amis. Vous verrez. Révisionniste. Ben, allez-y, vous pouvez tenter l'expérience, ne serait-ce que dans votre environnement. Hein, remettez en cause la version officielle de la mort de Jackson. Prétendez que cette crise cardiaque n'est pas naturelle. Vous verrez bien, vous verrez bien. Ah ben ce sera, je suis passé par là, bon courage, bonne route. Ce sera bientôt de toute façon puni par la loi, remettre en cause cette crise cardiaque, par les hystériques du grand Israël. Mais j'ai pris le parti, vous le savez, de leur pisser à l'arrêt. Je continuerai donc, n'écoutant que ma conscience, je poursuis ma cavale, hein, ma cavale solitaire, d'histrion banni, évadé de la prison de la bien-pensance, je poursuis. En faisant quelques pieds de nez, parfois, quelques quenelles hein, à nos maîtres, hein, qui, oh, bon, jusqu'à ce qu'ils me reprennent, évidemment, hein, qu'ils m'enferment, qu'ils m'humilient en place publique, qu'ils me lynchent. C'est mon lot. Mis à part le mobile financier, je continuerai sur l'affaire Jackson, qui, effectivement, m'interroge profondément. Mis à part le mobile financier, donc, qui aurait pu aisément pousser n'importe quel malhonnête sur la voie du crime, il faut, dans le cas de Jackson, considérer la dimension politique de cette figure noire à la stature planétaire. Aussi, je pense que sa récente conversion à l'islam a pu provoquer l'émoi de certaines instances dirigeantes de l'industrie du divertissement. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le musulman Michael Jackson n'existe pas, nulle part. On a l'impression que la propagande officielle a décidé d'occulter ce choix de Michael, un choix qu'il a fait de son vivant. Les musulmans du monde entier ont pourtant le droit de savoir qu'au bout de son chemin, Michael Jackson a rencontré l'islam. L'islam comme aboutissement d'une recherche effrénée d'identité. La vie de l'afro-américain Jackson est une œuvre d'art tout entière qui s'est offerte à l'islam. Il nous invite à rencontrer l'islam par son œuvre. Je vais personnellement y réfléchir cette semaine et je reviendrai là-dessus
certainement la semaine prochaine. Je ne vais pas être très long parce que j'ai décidé d'être très court dans mes interventions. Je reviendrai la semaine prochaine donc sur l'affaire Raël. Je compte inviter un Raélien et discuter avec lui de cette affaire. Je pense que ce sera plus objectif. Donc la semaine prochaine, je serai avec un Raélien ici, hein, et non pas deux Elohim, hein, que Bernard et Christophe que j'avais invités, en fait, qui n'étaient que deux, enfin qui étaient en plastique. Hein, donc là, ça sera quand même plus intéressant. Je reviendrai sur Israël Magazine, hein, qui m'a fait l'honneur de m'accorder la couverture. Un torche-cul de 60 pages. Vous pouvez déféquer et vous torcher le cul avec. Un peu rigide, vous verrez au départ. Mais ça peut vous permettre quand même de nettoyer pas mal de merde. Il y en a déjà beaucoup de la merde à l'intérieur. On a le rédacteur en chef, enfin le patron de l'édition, Dédé, hein, directeur de publication, Dédé Darmon. Hein. Alors Dédé qui lui juge que je ferai un complexe d'infériorité. Et c'est ça, c'est pour ça que je serai agressif. Il dit aussi que mon complexe d'infériorité engendre une agressivité antisémite. Il dit qu'il voudrait me mettre des baffes. Ben, Dédé, ben viens me mettre une baffe. Vous connaissez le courage de ce type d'individu. Bien évidemment, il ne se présentera pas face à moi, peut-être, comme ça, maquillé, camouflé. Il jettera quelques cailloux sur des noirs en guise de vengeance de ce que je viens de vous raconter. Enfin bon. Il dit aussi que ce qui me sert de visage possède des réminiscences de la bouille du salopard de Fofana. C'est marrant, ça, cet amalgame qui est fait chez les Noirs. C'est amusant, c'est Darmon, quoi. C'est la fine équipe. Alors évidemment, l'incontournable Elie Wiesel. Ah là, il y a la fine fleur. Là, on a toute l'équipe Madoff. Hein, c'est pas le plus mauvais. Franchement, il a fait beaucoup avancer le Schmilblick, Madoff. Voilà. Alors là, il y a l'armée, évidemment, l'armée israélienne. Donc là, là on referme. Alors, rendez-vous la semaine prochaine. Hein, et puis, en attendant, bonne semaine. Respect. Je suis présent toujours au Théâtre de la Mandan. Hein, n'oubliez pas.